Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Mon âme a du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, la face de Dieu? Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. Et comme tous les matins, nous sommes là parce que nos âmes ont soif de notre Seigneur. Et nous sommes à ses pieds pour qu'il nous restaure, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous protège dans un cocon de bénédiction, afin que nous puissions vaquer à nos occupations avec sa grâce pour une grande victoire. Bonjour chez vous, bonjour au Cameroun, bonjour au Congo, bonjour à tous les Congos, enfin Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, bon tout. Bonjour. Bonjour à nos frères de la Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Bonjour à tous nos frères en Côte d'Ivoire, à Man, à Diokoué, à Guiglou, partout. Bonjour à nos frères au Burkina Faso, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Et à nos frères à Madagascar, que la faveur du Seigneur ne vous manque point. Sans oublier nos frères du Tchad, que le soleil du Seigneur brille sur vous. Nous sommes en vie par la grâce de notre Père Céleste et nous venons pour dire Seigneur merci. Merci de nous avoir donné la vie parce que ce n'est pas parce que nous avons bien dormi que nous sommes bien réveillés, c'est juste parce que tu as encore voulu nous faire grâce. Pour cette rencontre divine, tout le monde est là, toute l'équipe est là pour que nous puissions célébrer le Seigneur avant de l'évacuer à nos occupations. Et le trésor divin qui m'accompagne, que vous voyez, j'ai avec moi la chante Sephora Ouaga. Bonjour Sephora, comment tu vas? Ça va bien? Merci d'être là. Merci de venir célébrer le Seigneur avec nous. Ah, et encore avec moi, le musicien, percussionniste, batteur, Abbas Mao. Bonjour Abbas. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, tu es mignon, avec beaucoup de cheveux. Hein, la mignotitude est avec toi. Voilà. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans cette émission, au piano, il y a le frère Moïse Trabi. Moïse Trabi que vous ne voyez pas, il est pianiste, il est humoriste, il est pétri de talent et c'est la grâce du Seigneur. Vous êtes tous des trésors divins. Notre réalisatrice, Madame Amessan, celle qui a conquis le cœur de Monsieur Amessan, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, est avec nous encore tous. Divins sont là et nous allons bénir le Seigneur comme d'habitude. Nous allons d'abord prier, dire merci à Dieu. Juste un mot, merci à Dieu pour notre vie. Prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Oh Père, tu es le Dieu fidèle et grand, le Dieu majestueux, le Dieu fidèle. Louange à toi, élévation à toi, Seigneur. Merci pour la vie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quelquefois nous nous posons des questions de savoir pourquoi. Pourquoi ces situations arrivent-elles? Pourquoi est-ce que nous sommes encore dans les difficultés pendant que nous prions le Seigneur? Pourquoi est-ce que nous faisons tout bien? Nous payons, nous donnons nos dîmes, nous faisons des offrandes, nous prions le Seigneur, nous jeûnons. Et puis quelques situations semblent encore bloquées. Et quelquefois même, nous nous sentons tellement seuls, abandonnés. Et souvent nous sommes jugés par ceux qui ne comprennent pas la situation, qui nous disent c'est parce que tu as péché. Dieu ne peut pas te faire ça si tu n'as pas péché. Oh, ce monsieur a subi d'atroces accusations. Dieu peut-il te laisser vivre comme ça si tu avais tout bien fait? Pourtant, au fond de toi-même, tu sais qu'en réalité, c'est vrai que tu n'es pas pur. C'est vrai que tu n'es pas parfait parce qu'aucune personne sur la terre ne peut proclamer sa perfection. Mais tu as toujours essayé de bien faire les choses de Dieu. Tu as toujours essayé de faire ce qui peut plaire à Dieu, ce qui peut te conduire vers son règne. Pourtant, il y a encore des situations qui semblent difficiles. Tu cherches du travail, les portes semblent fermées. Tes frères ne te comprennent pas. Tu te sens incompris ou incomprise. Oh, quelle souffrance! Quelquefois, on a envie de s'asseoir et de dire, Seigneur, finalement, je crois que je dois abandonner. Et quelquefois, le diable vient accompagner notre douleur, notre souffrance par ses paroles qui disent, en réalité, Dieu n'est rien,
Dieu ne te voit pas. S'il te voyait, tu serais ceci, tu serais cela, tu serais devenu ceci. Regarde, il commence à faire la comparaison. Cette comparaison fatale et meurtrière. Qui te dit, oui, les gens de ton âge ont réussi à faire ceci, à faire cela. Mais toi, tu es encore à la même place. Tu n'as pas encore changé. Mais vous savez, comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a la gloire de Dieu dans tout ce que nous vivons. Chaque pas que nous posons, rien n'arrive si Dieu n'a permis. Rien ne peut se passer si Dieu n'a pas ordonné. Job a souffert. Job faisait des offrandes pour ses enfants après les fêtes. Job faisait tous des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour des situations, pour sa famille, pour ses enfants. Job, à un moment donné, a perdu troupeau, a perdu richesse, a perdu ses enfants. Quelle douleur de perdre ses enfants. Et ce n'est pas un seul enfant. Il a perdu tous ses enfants. Et à chaque fois, un de ses serviteurs courait vers lui pour dire, « Je suis le seul survivant de cette situation. Me voici en train de pour t'annoncer la nouvelle, la mauvaise nouvelle. » Oh, combien de fois nous n'avons pas été foudroyés par ces mauvaises nouvelles auxquelles nous n'attendions pas. Job a été frappé par ces mauvaises nouvelles. Au point de s'asseoir par terre, de déchirer ses vêtements, il était dans la souffrance. Sa femme s'approche de lui et sa femme lui dit, « Attends, es-tu obligé de subir toutes ces choses? Es-tu obligé de faire comme si Dieu te voit ?» Maudit Dieu, abandonne Dieu, dis-lui qu'il n'a rien pu faire pour toi, que ce n'est pas un bon Dieu, parce que le bon Dieu, il regarde au moins nos actions et nous épargne certaines situations. Mais la Bible nous rassure et la Bible nous éclaire sur ce point en disant, en toutes ces choses, Job n'a jamais maudit Dieu, Job n'a pas péché contre Dieu. Vous savez, souvent, raconter cette histoire semble très facile, mais la vivre a été peut-être un calvaire. Parce qu'au-delà de ça, Job a été atteint de cette maladie, d'un ulcère malin. On dira, je compare cet ulcère malin à l'ulcère de Viruli, comme on l'appelle aujourd'hui, qui détruit tout ton corps. Tu ne meurs pas, mais tu vis, en réalité, tu ne vis plus. Pendant que tu es là, les yeux ouverts. Quand ses amis l'ont approché pour dire, c'est parce que tu as une mauvaise vie que tu vis cette situation. Chers frères, combien de fois certaines personnes ne sont pas venues pour dire, tu es à tel état parce que ta vie n'est pas bonne. Tu es à tel état parce que tu n'as pas encore réussi à obéir à la volonté de Dieu. Ils veulent te montrer à la fois qu'ils sont plus spirituels que toi. Parce que si tu étais à leur niveau, tu ne serais pas là. Souvent, ils ne nous disent pas qu'ils ont traversé aussi des situations difficiles. Mais le Seigneur nous rappelle qu'au-delà de nos lamentations, il faut qu'on se souvienne que les bontés du Seigneur ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne finissent jamais. Il tend toujours la main à celui qui a confiance en lui, qui dit, mais malgré cette difficulté, malgré cette souffrance que je ne voulais pas vivre, que je ne supporte pas même, Seigneur, je fais tout bien pour toi, mais que ma vie est encore bloquée, ma vie semble ne pas avancer. Je trébuche à chaque pas, je souffre, je pleure, mes larmes ne cessent de couler. Mes draps ne peuvent plus supporter mes larmes qui coulent. Mes forces m'abandonnent, Seigneur. Mais tu me rassures pour me dire que chaque chose concourt à mon bien. Et que, comme dans un rêve, je vais oublier toutes ces souffrances que je suis en train de traverser. Que, comme dans un rêve, tu vas me délivrer. J'ai envie que nous puissions, pendant que nous sommes en train de réfléchir à cette situation, pour revenir au Seigneur, pour lui dire, Seigneur, c'est vrai, quelle que soit la situation, je sais que ce n'est pas parce que j'ai péché, ce n'est pas parce que j'ai une mauvaise vie, c'est parce que c'est vrai que je ne suis pas pur, je ne suis pas parfait, pardon.
mais tu n'abandonnes pas tes enfants pour autant parce que tu sais que dans notre nature, il y a le péché. Je veux te faire confiance. Je veux fermer mes oreilles à tout ce que les gens disent. Mais je veux te faire confiance. Pendant que nous serons en train de penser à cela, notre sœur Séphora va nous raconter l'histoire de Job. Et nous dit qu'il y a Dieu dedans. Elle va nous raconter cette histoire. À la fin, elle nous dira qu'il y a Dieu dedans parce que Dieu veut tirer sa gloire dans tout ce qui se passe dans notre vie. Laissons-nous transporter. Laissons notre sœur nous raconter cette histoire dans sa propre langue, dans la langue qu'elle veut. Permet que tu sois dans cette situation pour que tu sois vieux. Si vous arrivez malheur, glorifions le Seigneur. Oh, chadarada, baba. Il vous le rendra. Il vous rendra le tout. Alléluia. Il vous le rendra. Il vous rendra le tout. J'ai envie de te dire que le Seigneur te comble doublement au nom de Jésus. Il te comble doublement au nom de Jésus. J'ai envie que tu dises un grand amen qui ne dérange pas tes voisins, mais que tu dises un grand amen. Qui te donne le double que tu as perdu comme il a fait pour Job. Seulement il te dit, glorifie Dieu, quelle que soit la situation. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Commence à lui dire des paroles. Dis-lui que tu lui fais confiance. Dis-lui que tu vas glorifier ton nom. Ton nom. Glorifier ton nom. Je le sais. Le temps de la gloire de Dieu. Le temps de la gloire de Dieu a suivi dans ta vie. Le temps de la gloire de Dieu a suivi dans ta vie. Il vous le rendra. Il vous rendra. Ce que vous aurez fait. Prophétie, il vous le rendra. Il vous rendra le Dieu. Cet homme était
Alors je me prosterne. Je suis béni et il te retournerai dans le ciel de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, pendant qu'elle dit cette parole, je me souviens, enfin, le Seigneur me met dans la tête quelqu'un qui a envie même de sauter la vie parce que simplement tu as perdu des choses matérielles. Perdre les choses matérielles ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Glorifie le Seigneur. Il va glorifier son nom. Il va te relever. Le Seigneur va te relever au nom de Jésus. Il va te relever. Il va te relever au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur au nom puissant. C'est injuste. Ah, merci. Alors disons, il y a non, Dieu est dans cette situation. J'ai envie que tu le dis. Dieu a... Il va te redonner le double. Il va te donner le double. Tu as perdu. Il y a Dieu dans cette situation. C'est manifeste. Ce matin, parce que les gens vous disent, il y a Dieu dedans. Disons-le, mettre la chance pour moi. Disons-le, il y a Dieu dedans. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Seigneur, Dieu dedans. Tu es dans cette situation, Seigneur. Il veut tuer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Vous savez, le Seigneur a des projets de bonheur pour nous. Et le compagnon, il va te relever au nom de Jésus. Dieu se révèle à toi. Il veut que tu fasses confiance pour que tu crois que cette situation ne va pas te tuer. Tu ne seras pas détruite par cette situation. Mais la gloire vient te visiter. Si tu étais malade, reçois. Jésus, parce que le temps de glorifier le Seigneur, tu as refusé de t'attacher à certaines alliances quand la situation devenait difficile. Et pour faire confiance au Seigneur, le Seigneur te relève maintenant au nom de Jésus. Il te relève maintenant au nom de Jésus. Il te relève maintenant au nom puissant. Et je déclare que toute personne qui a une maladie soit libérée maintenant au nom puissant. Seigneur, j'appelle la restauration. Comme tu as restauré, j'appelle la restauration au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un avait perdu
travail parce qu'il est accusé injustement. Père éternel, restaure cette personne. Pas plus. Seigneur, étends ta main. Étends ta main dans leur vie. Merci. Bénis tes enfants. Tu leur accordes ta grâce. Qu'on puisse t'arrêter. Seigneur, je veux prier que toutes les personnes qui t'ont fait confiance comprennent que la Bible nous rassure, nous lui les regards, notre visage est rayonnant de joie et nous sommes couverts de honte. Seigneur, tu les relèves au nom de Jésus. Tu les relèves au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Guéris ceux qui sont malades. Reste ceux qui ont subi des injustices. Et bénis tes enfants pendant que nous marchons derrière toi. Pendant que nous disons, Seigneur, nous te faisons confiance. Ce n'est pas facile pour nous, Seigneur, de le dire parce que le monde nous met la pression. Le monde aime ce qui est rapide. Mais toi, tu es le Dieu qui n'arrive jamais en retard, quel que soit le temps. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble prier pour ces frères qui ont des difficultés à plusieurs niveaux. Dans leur couple, dans le travail, avec un enfant, nous allons dire à Dieu, Seigneur, restaure la situation, bénis tes enfants. Ramène ces enfants qui ont des situations difficiles. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Merci pour, Seigneur, ces familles qui nous envoient des sujets de prière pour que nous te les présentons, Seigneur. Nous voulons, notre Père, que tu bénisses tes enfants. Tu connais leurs préoccupations plus profondes. Garde-les. Nous prions de les garder. Nous prions de les protéger. Nous déclarons qu'ils sont déjà protégés, bénis. Seigneur, ils dépassent. Restaurent ces Seigneur. Reste des difficultés dans leur couple, dans leur foyer, dans leur famille, avec des enfants. Reste de les déposer. Reste. Toi le Dieu fidèle et grand, louange à toi Seigneur. Élévation à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire une prière. Nous allons prier pour nos nations. Demander à Dieu de bénir nos nations, de nous sauver des crises meurtrières, économique et politique. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons que tu sauves nos nations. Nos nations ont besoin de toi, Seigneur. De heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Seigneur, nous t'invoquons dans chacune de nos nations. Nous t'invoquons en Côte d'Ivoire. Nous t'invoquons au Burkina, au Mali, en Guinée, au Niger, au Tchad. Nous t'invoquons, Seigneur, au Cameroun. Nous t'invoquons en Ouganda, au Burundi, nous t'invoquons, Seigneur. Dans tout, nous t'invoquons. Conduis toi-même nos nations. Conduis nos dirigeants. Conduis, Seigneur, que tous prennent des décisions. Qu'ils ne vont pas faire couler nos sang, notre sang, Seigneur. Qu'ils ne vont pas faire couler le sang de leurs concitoyens, de leurs compatriotes, Seigneur. Merci pour le faire, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons remettre la journée. Demander à Dieu d'accompagner tous ses enfants durant cette journée. Prions ensemble. Seigneur, accompagne tes enfants. Accompagne tes enfants, Seigneur. Accompagne tes enfants durant toutes ces journées. Accompagne-les, Seigneur. Bénis-les, Père, pendant qu'ils sont en train de sortir. Délivre tes enfants des intoxications alimentaires. À la griffe et à la méchanceté, Seigneur. Louange à toi. Élévation à ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce moment. Le message de Dieu, c'était juste dit que quelle que soit la situation, sache qu'il y a Dieu dedans. Le Seigneur nous fait traverser certaines situations juste pour glorifier son nom. Ce n'est pas parce que nous sommes imparfaits, ce n'est pas parce que nous avons mal fait quelque chose. Ne laissons pas la culpabilité nous gagner. Croyons que le Seigneur, notre Père, qui prend soin de nous, qui ne nous juge pas, ne nous condamne pas, ne nous rejette pas, ne nous abandonne pas, qui trouve toujours la solution de nous ramener à lui. Alors, nous allons dire pour finir cette émission que nous lui faisons confiance. Mais bien avant, voici nos numéros qui s'affichent sur vos écrans. Vous pouvez nous appeler, vous avez besoin d'être écouté, d'être suivi, d'être accompagné dans la prière.
à ce numéro et adresse qui s'affiche. Le numéro c'est le plus 225 78 37 52 78, et l'adresse est victoriaquassi@yahoo.fr. Vous pouvez nous rejoindre à tous ces numéros et aussi sur WhatsApp. Nous serons là pour parler avec vous, et n'oubliez pas que nous avons besoin de vous pour continuer la mission. Disons à Dieu, nous faisons confiance. Que Dieu bénisse ta journée pendant que tu es en train de partir. Dieu bénisse tout ce que tu vas faire qui te rende meilleur sur le terrain. Dis à Dieu que tu lui fais confiance. Et à bientôt. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Ce n'est pas du tout facile, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter. De chanter ce refrain. Ce n'est pas du tout facile. Non, Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter. Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi. Priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.